Vous êtes Jérôme et vous êtes vétérinaire chez le Grand Deseille. Voilà. Vous êtes en binôme avec notre vétérinaire. Alors, on est en équipe de 7 vétérinaires à faire des contrôles médicaux sur cette course-là. L'objectif, notre rôle, ça va être un rôle justement de contrôle sanitaire et de contrôle médical sur l'ensemble de ces chiens-là pour vérifier s'ils sont aptes ou pas à participer à cette course. Donc, vous faisiez les contrôles avant la course et pendant la course. Exactement. Donc, il y a un contrôle général de l'ensemble des chiens dès leur arrivée sur la zone de course. Et ensuite, parmi toute la réserve de chiens qui ont été examinés, le musher va en choisir certains pour faire la course. Et à la fin de l'étape de course, on va contrôler les chiens qui ont participé à cette étape. D'accord. Et pendant la course, qu'est-ce que vous contrôlez pour éventuellement écarter les chiens? Voilà. Alors, pendant la course, l'objectif, ça va être de détecter certains problèmes. Donc, il peut y avoir des problèmes d'origine orthopédique, c'est-à-dire des problèmes d'articulation, des problèmes d'os, des problèmes de muscles, ou alors d'éventuels problèmes digestifs, avec des vomissements, de la diarrhée, des problèmes de ventre, des problèmes de cœur, des problèmes respiratoires. Et l'objectif va être de savoir si ce problème-là est important ou pas. Si il n'est pas important, l'animal peut être utilisé pour courir. Si c'est important, l'animal sera soit mis au repos, soit mis à l'écart complètement de la course. On appelle ça un animal droppé. Donc, si vous contrôlez 7 chiens... Oui. Alors, on va contrôler plusieurs éléments. Hein. On va contrôler déjà la couleur de ses muqueuses, qui doit avoir un aspect un petit peu rosé. Oui. On va contrôler la présence de... Donc, si c'est trop blanc, il n'a pas assez de globules rouges. Voilà, c'est si ça. C'est trop blanc, il peut y avoir soit des problèmes cardiaques, soit une insuffisance de globules rouges. Si c'est trop rouge, ça peut être lié à un problème également cardiaque. Hein. Donc après, c'est le reste de l'examen qui va nous dire où se situe le problème. Il va y avoir un examen des ganglions qui sont sous le cou, juste devant les épaules. On en a d'autres qui sont, hop là, sous l'épaule, à l'intérieur de la cuisse et juste derrière la cuisse. Et ensuite, on fait une auscultation au stéthoscope, oui, avec l'auscultation cardiaque qu'on prend juste derrière l'épaule du côté gauche et du côté droit. Et ensuite, une auscultation pulmonaire pour voir si on a des soucis au niveau de la respiration. D'accord. D'accord. Donc, s'ensuit ensuite un examen du ventre avec une palpation du ventre pour vérifier si l'animal a une douleur par exemple au niveau de son estomac. Oui, parce qu'il y a les étapes qui sont très très difficiles pour les chiens. Voilà, alors il y a au carreau, il avait 2900 mètres de dénivelé. Exactement, donc il y a plusieurs problèmes qui peuvent arriver. Il y a le problème de longueur d'étape où ces étapes-là peuvent être très très longues. Effectivement, ça a mis les chiens à contribution. Il y a des problèmes de dénivelé avec une altitude importante entre les étapes. Et ensuite, il peut y avoir aussi le problème de température, où quand il y a des températures très basses ou relativement élevées, ben, l'organisme souffre un petit peu plus. On a vu qu'il y a des chiens qui portent des petites bottes de temps en temps. Alors, c'est pour quelle raison? C'est pour en fait, protéger les petits coussinets qu'il y a sous les pattes, hein, que l'on voit, hop là, voilà, à ce niveau-là. Étant donné que dans certaines conditions de neige, la neige peut être relativement dure et sectionner, couper le coussinet. Et donc le but, c'est de mettre une petite bosse, dog booties, pour protéger ces coussinets et faciliter leur cicatrisation et la récupération. D'accord. Dernière question, est-ce qu'il y a des problèmes de dopage? Alors, c'est une question dont il faut tenir compte. Effectivement, il peut y avoir des contrôles antidopage sur les chiens. Donc, ce n'est pas les vétérinaires de la course qui sont responsables de ça. C'est l'AFLD, qui est une agence française de lutte contre le dopage, indépendante, qui peut venir sur la course et contrôler les chiens. D'accord. Est-ce qu'ils ont à voir cette année? Alors, il n'y a pas eu de contrôle antidopage sur les chiens cette année, oui, encore au jour d'aujourd'hui. Mais il y a eu des contrôles hier sur les mushers. D'accord, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. L'habitude, face à nos gens, c'est à vous, c'est maintenant.
Lille. C'est devant, hein, dans quelques instants, les Hendler vont lâcher la cage et c'est parti! Qui a le meilleur soin de la part du... Restez avec nous parce que dès que nous allons avoir de l'information courte...